Massa Al-Khir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois M. Philippe Pivin, député bruxellois, MR et bourgmestre de la commune de Kuckelberg. M. Pivin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes bourgmestre de la commune de Kuckelberg. Votre papa était bourgmestre. Vous êtes aujourd'hui bourgmestre. On peut dire qu'à Kuckelberg, le majorat se transmet de père en fils. Je crois que c'est un peu facile et je sais que vous le dites au deuxième degré, mais enfin, c'est quand même encore les gens qui choisissent leur bourgmestre. Et moi, j'ai un parcours qui a commencé non pas comme bourgmestre, mais au CPS de Kuckelberg. Donc, j'ai passé quelques années au CPS de Kuckelberg, où j'ai mûri un petit peu politiquement, si vous voulez, parce que j'étais président de section locale, aussi libérale. Et puis, je me suis présenté aux élections. Alors, c'est vrai qu'en 2000, mon père sortait de charge, je me suis présenté. Je pouvais bénéficier d'un a priori peut-être favorable puisqu'il avait une excellente réputation et j'ai essayé d'être à la hauteur de cette réputation. Mais en 2006, on vole en solo, mon père n'était plus là et les gens ont renouvelé leur confiance une première fois et ils viennent de le faire en 2012 avec encore plus de force. Donc je me dis que je me débrouille pas si mal que ça. Mais vous avez la chance de baigner dans une famille politique. Mais vous, personnellement, pourquoi vous avez décidé de faire la politique, M. Pivin ? Oh, ça, c'est une longue histoire. On ne va pas faire ici de la psychanalyse, mais comme juriste, comme avocat, j'ai quand même cette démarche d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Et j'ai trouvé dans, je dirais, la démarche politique, la possibilité de rencontrer davantage de problèmes différents à résoudre et à aider, avec des leviers qui sont quand même formidables au niveau d'une commune. On a quand même des outils pour, je dirais, améliorer le quotidien des gens qui sont exceptionnels. Et donc, j'ai vu une belle opportunité d'aider les autres dans cette démarche politique, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, que vous transmettez à vos enfants ? Vous avez deux enfants. Est-ce qu'un jour, vous serez content de voir un de vos enfants suivre vos pas ? En politique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en serai content. Je dois vous dire que moi, pendant des années, je suis resté comme ça, assez réservé par rapport à la politique, parce que pour l'enfant que j'étais, pour l'adolescent que j'étais, c'était surtout pas de papa à la maison. Et donc, je ne voulais pas reproduire ce schéma avec mes enfants, donc j'ai été assez présent à la maison, jusqu'à ce qu'ils soient en âge, évidemment, de se débrouiller eux-mêmes, et ils décideront chacun de ce qu'ils feront de leur vie, comme moi je l'ai fait. Alors, vous êtes bourgmestre de la commune de Kuckelberg pour la deuxième fois, vous avez beaucoup de compétences, mais avant cela, peut-être, quel est votre projet de manière générale, ou votre projet pour cette nouvelle législature, en tout cas, pour la commune de Kuckelberg et pour les Kuckelbergeois? Mais de façon générale, j'ai envie de vous dire que ma commune souffre d'un déficit de rayonnement au sein de Bruxelles, au sein de la région bruxelloise, et que quand on parle de Kuckelberg, c'est rarement en mal, mais c'est souvent aussi par rapport à la basilique. Mais c'est une petite commune en tout cas. C'est une petite commune, c'est une commune de taille réduite, on va dire, c'est pas une minuscule commune, il y a quand même 21 000 habitants, bientôt 22 000, donc ce sont quand même des densités assez lourdes, mais c'est une commune qu'on traverse sans beaucoup prendre le temps de s'y arrêter et d'y rechercher ses attraits. Et donc moi, ma démarche, elle est, si vous voulez, de permettre un mieux-être pour les personnes qui ont fait le choix d'habiter à Kuckelberg, mais de permettre aussi un meilleur rayonnement pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore assez ma commune. Alors, je ne sais pas quel est votre projet aujourd'hui par rapport à la législature précédente. Est-ce qu'il y a un changement de politique ou bien une continuité ? Mais il y a les deux, il y a de la continuité, il y a du changement, on doit accompagner la modernité d'une commune, on connaît, pour quiconque connaît la commune qu'il doit administrer, il sait aussi compter et voir quelle est la part de personnes âgées, quelle est la part de jeunes, et nous avons une commune jeune, nous devons donc avoir des recettes jeunes, et nous devons faire en sorte que les gens ne souhaitent pas quitter, on en parlera peut-être, quitter soit la commune, soit la région bruxelloise. Donc on doit aménager
aménager des infrastructures qui font rester les gens et se sentir bien là où ils ont fait le choix de vivre. Exemple, crèche. Un jeune ménage ne restera pas dans la commune si les infrastructures en crèche sont déficitaires. Il ira voir ailleurs et c'est légitime. Il ne restera pas si le réseau scolaire n'est pas suffisamment dense. Il ne restera pas s'il n'y a pas une sécurité suffisante. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont une continuité, mais c'est une vigilance de tous les jours aussi. Et il y a des changements parce que la sociologie évolue et parce qu'on doit pouvoir rencontrer les besoins sans cesse croissants de tous nos concitoyens. Alors justement, on va commencer par découvrir votre commune. Parlez-nous un peu de cette commune de taille réduite, comme vous la définissez. Donc il y a le bas de Kukulpeuk, comme il y a le haut de Kukulpeuk, comme d'autres communes. Alors quelle est la différence entre le bas et le haut ? Mais déjà, j'aime pas qu'on dise le bas parce que ça a toujours eu à mes yeux un aspect péjoratif. Je préfère parler du cœur historique. Pourquoi le cœur historique ? Parce que c'est là que tout a commencé. Donc la commune a une histoire liée, on en parlera peut-être aussi, liée au chocolat. Puisqu'il y avait une grosse industrie chocolatière à Kukulpeuk, donc nécessité de construire des petites maisons ouvrières pour le personnel qui travaillait et dans les chocolateries et dans une brasserie, puisqu'il y avait aussi une grande brasserie. Et donc le cœur de la commune est très densément peuplé de petites maisons, souvent anciennes. Le haut de la commune, qui est plutôt du côté Ganso, Rönnbergheim, avenue du Château, avenue de la Basilique, n'a été bâti que dans les années 70. C'était beaucoup des champs auparavant et donc ça a été loti plus tard dans le temps et donc ça a un aspect plus moderne et entre les deux, tout ce qui est Place de Bastogne, Avenue de la Liberté, Avenue de l'Indépendance, ce sont plutôt des maisons résidentielles, des maisons unifamiliales, donc il y a un peu de tout dans cette commune. Et dans ce cœur historique, oui, comme vous aimez l'appeler, certains l'appellent aussi le bas, donc ça c'est, oui, une réalité, se concentre une population d'origine étrangère. Pourquoi alors dans ce cœur historique et pas dans le haut? Peut-être à cause du coût des locations, peut-être aussi parce qu'il y a une mitoyenneté avec des communes voisines que sont Molenbeek, Anderlecht, on se trouve plutôt de ce côté-là géographiquement, tandis que de l'autre côté, vous êtes plus près de la sortie, je dirais, de Bruxelles, du Rink et du Brabant. Alors aujourd'hui, il y a à Molenbeek, cette commune frontalière avec votre commune, se trouve à sa tête une nouvelle bourgmestre aussi du mouvement réformateur, Madame Françoise Skepmans. Est-ce que vous envisagez maintenant des synergies, je ne sais pas, des choses que vous pouvez faire ensemble pour cette partie de votre commune et celle de Molenbeek? Écoutez, je ne vais pas vous cacher le plaisir que j'ai à me sentir moins seul dans le Nord-Ouest, puisque jusqu'à présent, j'étais un petit peu isolé et de voir que le ciel devient plus bleu dans le Nord-Ouest. Je disais un jour, on croirait bientôt la Côte d'Azur avec Gansoren, avec Molenbeek-Saint-Jean, donc je suis content. J'ai toujours eu d'excellents contacts avec Françoise Skepmans. Et avec Philippe Mourot. Avec Philippe Mourot, on se respectait, on se voyait tous les 15 jours dans le collège de police. Et franchement, moi, je n'ai jamais eu de conflit aigu. On n'est pas d'accord sur la manière de gérer un territoire communal. On n'a pas appliqué les mêmes recettes. Bon, moi j'ai fait mon bilan. Je pense qu'il a dû faire le sien également. Il est sans doute satisfait de certaines choses qu'il a accomplies pour sa commune, comme moi je suis satisfait. Mais au bout du compte, j'ai le sentiment quand même que nous avons davantage œuvré au bien-être de nos concitoyens au sens large sur le territoire de Kukulpeuk qu'à Molenbeek, qui souffre de grosses divisions. Un exemple pour vous ou pas ? Non. Pourquoi ? Non, parce que je pense que ce soit au niveau de la propreté publique, que ce soit au niveau de la sécurité, beaucoup de choses auraient pu être faites différemment sur le territoire de Molenbeek. Mais encore une fois, je répète, il y a l'autonomie communale, chacun fait son choix et puis tire son propre bilan de ses expériences. C'est quelque chose dont vous discutez avec Mme Skepmans pour lui transmettre votre expérience, peut-être de gestion de Kukulpeuk ? Je ne la sollicite pas par rapport à cela, mais on s'est encore vu il y a quelques jours et elle est à l'écoute
des suggestions, des conseils qui peuvent lui être donnés, ça c'est certain. Et on a un partenariat qui est prometteur, bien entendu, avec Molenbeek, mais pas uniquement avec Molenbeek. Alors vous êtes bourgmestre des affaires générales, vous êtes bourgmestre, vous avez aussi d'autres compétences, vous avez les compétences des affaires générales, de la police, de la prévention, du personnel, des travaux publics, urbanisme et aménagement du territoire, économie locale, cohésion sociale, population et affaires électorales, culte, fêtes et relations publiques, aussi l'information, ça fait beaucoup de compétences. Comment vous arrivez à conjuguer ces compétences-là avec votre engagement politique régional, puisque vous êtes député régional également? Oui, d'abord, je n'ai peut-être pas l'intention de les conserver toutes pendant 6 ans, mais vous savez qu'un collège est aussi du renouvellement, on a des nouvelles personnalités qui sont arrivées au collège, auxquelles je déléguerai peut-être à un moment donné davantage de compétences, mais qui doivent aussi peut-être faire pendant un temps leur écolage et leur apprentissage de la vie collégiale à Kuckelberg. Pour le reste, j'ai quand même une certaine pratique, ça fait maintenant 12 ans que j'exerce la fonction mayorale, et je sais comment manager mon temps pour gérer à la fois les problématiques communales et les problématiques régionales, finalement, au Parlement régional. C'est une question de gestion de temps, les préoccupations restent bruxelloises. Hein. Alors parlons de ce collège communal de Kuckelberg, une nouveauté, deux échevins d'origine marocaine, Abdeltif Mrari, FDF, et Véronique Lefranc, CDH. Comment se passe cette nouvelle intégration de ces personnes dans la vie politique concrète locale? Mais ni mieux ni moins bien qu'avec d'autres personnalités. Je crois que leur origine n'a aucune incidence, d'autant que je les connais depuis très longtemps, et l'un et l'autre, et qu'on a appris à s'apprécier, et qu'on savait bien, on avait l'envie tous de travailler ensemble. Ils sont plus jeunes, ils sont prometteurs, et donc moi je suis enchanté de les avoir à mes côtés au sein du collège. Il y a aussi l'opposition, Écolo et PS. Mais je crois que le plus grand groupe d'opposition, c'est le Parti Socialiste, avec 8 conseillers communaux. Mais sur 8, il y a 7 sur 8 sont d'origine marocaine. Est-ce que ça vous interpelle, cela? Est-ce qu'on pourrait dire que les personnes d'origine étrangère votent moins votre liste que... et la liste PS? Je crois que c'est à eux qu'il faut poser la question. Je crois que c'est à eux et à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de voter socialiste, de voir si c'est véritablement ça l'orientation qu'ils souhaitent pour le Parti Socialiste. Je ne me prononcerai pas. Moi, je fais le constat, il est le même d'ailleurs à Jette, il est le même dans d'autres communes, d'une proportion peut-être non représentative, d'une sensibilité politique. Mais c'est plutôt à eux qu'il faut demander... D'accord. Le pourquoi. Alors, quand on parle de la commune de Kuckelberg, on ne peut pas ne pas parler de la basilique. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, mais la basilique est le 5e plus grand édifice religieux au monde, oui, qui se trouve sur votre commune. Oui. C'est une fierté. Mais c'est-à-dire que c'est certainement une originalité. C'est une carte de visite, c'est ce que je disais en introduction, puisque c'est souvent par la basilique qu'on connaît le nom de Kuckelberg, mais ça ne doit pas être la seule référence historique de la commune de Kuckelberg. Et je m'attache à en développer d'autres. Je pense notamment au Belgian Chocolate Village, qui verra le jour cette année-ci. Je pense à l'espace circassien, qui est actuellement au glacier de Saint-Gilles, mais qui va à terme déménager pour venir s'installer sur le territoire de Kuckelberg, dans le cœur historique. Et donc, je m'attache à développer des originalités complémentaires qui aident à mieux faire rayonner Kuckelberg. Alors, un autre lieu mythique ou très connu de la commune, le parc Elisabeth. Oui, bien sûr. On organise beaucoup d'événements. Oui, oui, et ça, c'est une volonté que j'exprime depuis que je suis bourgmestre. J'ai toujours pensé qu'on le sous-utilisait, ce parc Elisabeth. Il est très beau et je me rends compte que toutes celles et ceux qui le découvrent sont charmés par d'abord l'état d'entretien, l'état général. Et là, je dois tirer mon chapeau à l'IBGE qui s'est attaché à le maintenir en très bon état d'entretien. Mais c'est un parc vraiment agréable à fréquenter, dans lequel on développe pas mal d'activités. La fête du printemps, lorsque je suis devenu bourgmestre, j'ai souhaité qu'on fasse une grande fête un week-end par an, ouvert à la population, avec un apéritif
dispositif à l'attention des Kuckelbergeois, avec beaucoup d'animation, avec le bal, que je ne voulais plus qualifier bal du bourgmestre, c'est un petit peu hors du temps comme connotation, mais enfin, on a une soirée, on a le lendemain festival de l'humour, donc on a beaucoup d'activités, et maintenant à l'automne, on a créé une activité complémentaire qui est le festival de la moule. Donc on appelle ça Mussels in Brussels, c'est un jeu de mots original également, mais donc on le fait à l'automne depuis maintenant quelques années avec un succès croissant. Il y avait aussi le festival, l'événement Europalia qui s'organisait sur... Non, la Feria. La Feria, pardon. La Feria s'organisait jusqu'à ce qu'elle soit victime de son succès et qu'on ne soit plus en capacité de l'accueillir. Vous savez, tant que ça restait de taille modeste, ça allait. Lorsqu'on parlait de 50, 70, 5000 visiteurs, mais dès qu'on a franchi le cap des 100 000, 120 000, 130 000 visiteurs, ça a commencé à générer davantage d'inconvénients, pas pour les organisateurs, mais pour la commune que je représente, au niveau du stationnement, au niveau des nuisances, au niveau de la propreté à l'issue de l'événement. Et on a dit stop, c'est plus possible ici. Et on les a invités effectivement à rechercher ailleurs. Et ils sont installés au ESL maintenant depuis quelques effectivement, années. Effectivement, c'est un magnifique parc. Parfois, on voit même des jeunes, des moins jeunes qui font du jogging, qui essaient de faire un peu de sport. Mais parfois aussi, il y a des gens qui se plaignent du manque de sécurité. Tout à fait, tout à fait. Alors, monsieur le bourgmestre, vous qui avez la sécurité oui, en j'ai compétence, qu'est-ce que vous faites pour rassurer ces gens qui veulent faire du sport ? Mais non, on n'a pas d'incident. On n'a pas d'incident. Il y a des situations qui sont parfois tracassantes, des rassemblements, oui, mais des conflits, des agressions, on en a comme partout, mais pas de façon excessive. J'ai un jour demandé, puisqu'on veut, on veut une solution, qu'on le clôture, le parc Élisabeth, pourquoi pas. Les autres parcs à Bruxelles le sont bien. Le parc Royal l'est, le parc du Botanique l'est. Et donc, j'ai posé cette question à la région, qui m'a dit non, il faut le laisser ouvert. Oui, il faut le laisser ouvert, mais il faut aussi être conscient que les effectifs de surveillance et de sécurité ne suffisent pas. Le périmètre complet, c'est 2 km. Hein. Donc, c'est quand même grand comme espace à surveiller. On ne peut pas y installer de caméras de surveillance puisqu'il y a beaucoup de végétation. Et en hiver, vous avez moins de végétation, mais dès le printemps arrivé, les caméras ne peuvent plus surveiller les mêmes espaces. Donc, c'est pas évident, mais une présence physique, nos gardiens de la paix sont là, on a des patrouilles de police, donc il faut pas être alarmiste par rapport au parc Élisabeth, c'est un endroit très paisible. Alors, est-ce qu'il y a, parce qu'on a parlé des jeunes, est-ce que vous avez créé sur votre commune des espaces pour les jeunes, des maisons de jeunes, je sais pas, des espaces sportifs pour permettre aux jeunes Kuckelbergeois de s'épanouir. Le premier d'entre eux, c'est le centre sportif. Quand je suis entré en fonction, le moment était venu de changer le centre sportif. Alors on a revu tout le projet. Il y avait un centre qui était complètement amorti et qui ne répondait plus du tout aux normes ni de sécurité ni de sport, tout simplement. Donc on a créé un nouveau centre sportif sur 3 étages. Dans une ancienne fabrique, donc on a pu préserver, si vous voulez, une partie aussi du passé historique de la commune, et on a créé un centre à 3 niveaux qui fonctionne à pleine capacité chaque jour. Donc on est très content, et c'est un lieu qui est évidemment utilisé et qui est dédicacé aux Kuckelbergeois avant tout, mais pas seulement. On y fait de la danse, on y fait du tir à l'arc, on y fait énormément de choses différentes, on y fait du mini-foot, et on a des terrains de sport extérieurs qui sont multifonctions. Donc, on a un lieu qui est parfait. Pour ce qui est du sport, pour ce qui est maintenant, je dirais, de l'apprentissage, de l'étude, on a des écoles de devoirs, donc on a des lieux dédicacés aux écoles de devoirs, on a des lieux de pratique de hobby, que ce soit musique, que ce soit chant, que ce soit danse également, et on a un lieu de rencontre tout simplement, qui s'appelle Casa, qui est un bâtiment qui a été construit dans le cadre du premier contrat de quartier dont la commune a bénéficié. Qui n'a rien à voir avec Casablanca, non ? Non, c'est K-A-S-A, okay. Donc c'est un lieu qui est à la disposition des habitants, qu'ils veulent y organiser des baptêmes, des soirées festives ou peu importe, et on y fait aussi de l'école des devoirs en journée. Donc c'est un lieu un peu polyvalent qui se trouve, chaussée de jette d'ailleurs, au cœur de la commune de Est-ce que vous pensez que ces installations sont suffisantes ? Non.
Non. Mais non. C'est pour cela qu'on parle d'une commune à taille réduite. Donc, manifestement, il y a des moyens financiers réduits. Donc, comment comptez-vous peut-être... Mais ça, ça fait partie des projets. Vous m'interrogez sur le futur. On bénéficie, on a la chance d'avoir engrangé un deuxième contrat de quartier qu'on va concrétiser dans les années à venir avec de nouveaux espaces verts, avec du logement, le même un peu élargi. Donc on reste aux alentours de la place Van Uffel, on reste aux alentours de la chaussée Jet, de la rue Sergueï-Sels, etc. Mais on va construire une nouvelle crèche, donc encore une trentaine de places complémentaires, ce qui va doubler la capacité qu'on a créée ces dernières années avec la crèche du premier contrat de quartier. On va créer du logement complémentaire, de l'espace vert complémentaire, donc, et l'école du cirque viendra également, c'est le projet de ce contrat de quartier, c'est l'espace circassien, qui va générer à la fois de l'emploi et de la vie associative dans le cœur de la commune. Alors, Kuckelberg fait partie des 19 communes bruxelloises. Vous êtes député bruxellois. Est-ce que ça vous permet de relayer peut-être certaines revendications locales au niveau régional ? Oui, mais j'essaye de l'éviter parce que je me rends compte que chaque fois qu'on agit ainsi, on conforte cette critique qui est de dire que le Parlement régional ne serait qu'un grand conseil communal où chacun vient avec ses préoccupations propres. Donc j'essaye plutôt de voir les choses sous un angle régional et général plutôt que strictement local. Mais c'est vrai que parfois c'est le lieu, je vous parlais tout à l'heure de clôturer le parc Élisabeth. Je devais interroger la ministre responsable sur les intentions de la région par rapport à cela. Je venais là avec un intérêt local, mais pas finalement tellement local, puisque ça bénéficie à la sécurité de toutes celles et ceux qui s'y promènent. Ça parce que le parc Élisabeth est géré par la région. Tout à fait. Donc ça, c'est l'exemple d'une préoccupation qu'on relaye au niveau régional. Mais sinon, les préoccupations, on essaye plutôt de les voir un peu plus largement au niveau du Parlement régional. Mais sinon, à la région, quelles sont vos matières de prédilection ? Mais ça ne vous étonnera pas, je suis très attentif aux matières de sécurité et donc aux moyens que la région peut apporter pour renforcer sur le territoire des 19 communes la sécurité qui est parfois déficitaire. Je suis très attentif aux matières de mobilité. La STIB fait l'objet de toutes mes attentions. Le plan de stationnement concernant lequel notre chef de file et mon collègue Vincent De Wolf ne manquent pas certainement d'initiatives non plus. Donc ce sont des préoccupations qui nous sont communes, mais que j'essaye de suivre davantage. La vie économique qui est un gros souci parce qu'on voit les entreprises qui périclitent, parce qu'on voit les gens qui cherchent à s'installer en dehors de la région bruxelloise, et donc ça mérite beaucoup d'attention également. Vous avez mis la sécurité en premier de vos matières de prédilection. Pourquoi est-ce que vous pensez, avant de parler de la situation au niveau régional, Kuckelberg, comment vous voyez Kuckelberg en matière de sécurité ? Est-ce que, par rapport, par exemple, à une commune voisine, Molenbeek ? Mais je suis inquiet. Parce que, je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas une île. Nous avons des recettes en matière de sécurité qui apparemment fonctionnent bien, mais il faut rester très modeste parce qu'un jour ça peut aller et le lendemain moins. Mais on a de bonnes recettes par une présence extrêmement lourde sur le terrain. On a quand même une équipe à la taille de notre commune d'une quarantaine de gardiens de la paix. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de communes qui peuvent aligner une telle équipe au niveau des gardiens de la paix. On a un effectif policier qui va encore être renforcé. On a une quarantaine de caméras de vidéoprotection sur le territoire de la commune. Donc, on a mis des moyens et on continue à mettre les moyens. Donc, je suis attentif à cela. Et les recettes fonctionnent puisqu'au niveau de la statistique, on s'en tire plutôt bien. Mais on n'est pas une île. On n'est pas une île, on est entouré de problématiques aussi, que ce soit à Molenbeek ou ailleurs, et on ne peut pas considérer qu'on est protégé par les problèmes qui existent au niveau de la région bruxelloise de façon plus large. Donc il faut être attentif tous les jours. Alors la mobilité en deuxième oui. matière d'intérêt pour vous, Kuckelberg est quand même bien desservi par la STIB. Oui. Simonis... Oui.
La station Simonis se trouve sur votre territoire. Oui, mais elle est en plein travaux. Pas la station elle-même, mais la place est en plein travaux, comme beaucoup d'usagers le savent d'ailleurs en région bruxelloise, et il sera temps que ça s'arrête. Et ça s'arrêtera cette année, je pense, je suis même certain. Mais ça reste quand même un nœud, de la même façon qu'à l'avenue Charles Quint, on en a un autre. Et donc on a un plan de mobilité qui est en train de se mettre en place, qu'on a voté et mis en place, élaboré plutôt, vers la fin de la législature précédente. Donc maintenant on est dans la concrétisation. On doit améliorer cette mobilité au sens fluidité. On doit aussi améliorer les possibilités, les perspectives de stationnement, ce que ne fait pas le plan du même nom qui est cours de sondage. Il faut dire que c'est pas moment. Facile de trouver une place de stationnement sur votre commune. Ce n'est moi, parfois, certainement... je trouve franchement des difficultés pour trouver une place. C'est pas évident. Je sais, et c'est à cela qu'on s'attache pour le moment. Comment comptez-vous alors améliorer cette situation ? Mais je crois que c'est une question de rotation. Je crois qu'on doit malheureusement passer par une réglementation de plus en plus grande, mais quand on réglemente, il faut aussi pouvoir garantir aux gens qu'ils ont du stationnement. C'est pas tout de dire je vais réglementer une rue ou une avenue. Il faut à ce moment-là qu'on ait la garantie. S'il y a une réglementation et donc une obligation de respecter des règles ou des tarifs, il faut qu'on ait aussi la garantie de pouvoir se stationner. Vous ne pensez pas, par exemple, à de nouvelles pistes de stationnement, comme par exemple des parkings souterrains, comme ce que prévoit faire Scarbeck ? Mais bien sûr, mais pour ça, il faut avoir des autorisations et des moyens. Je ne demanderais pas mieux qu'on puisse, à l'image de ce qui est projeté à Jette, aménager encore des parkings souterrains sur Kuckelberg, mais ce ne sont pas les moyens de Kuckelberg qui y suffiront. On aura besoin de moyens régionaux et il faudra avoir des autorisations. Et je ne suis pas certain que le pouvoir en place au niveau de la région va favoriser beaucoup ces initiatives. Alors, vous êtes bourgmestre de la commune de Kuckelberg, vous êtes député régional bruxellois, et dernièrement, vous nous avez surpris par vos talents d'acteur, de comédien. Vous avez tourné une petite capsule, un mini-film, où on vous a vu incarner le rôle de James Bond, mais James Bond bruxellois, Kuckelbergeois. On va voir quelques extraits, puis on reviendra commenter cet extrait. Alors, vous avez raté votre vocation, monsieur Bourmès, vous auriez pu être un grand comédien. Je ne sais pas, en tout cas je me suis bien amusé. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit, vous avez tourné un film ici à Bruxelles ? C'est pas la première fois, mais le premier s'était passé peut-être plus discrètement. En réalité, c'est une démarche qui a été initiée par le personnel communal. Chaque année, il y a une fête du personnel et on a des originaux dans le personnel qui ont des talents cachés, que ce soit musicien, acteur, scénariste aussi, caméraman. Et l'idée leur était venue de faire un petit film promotionnel en associant le personnel, ce qui fédère toujours un esprit d'entreprise, un esprit de groupe, et c'est pour ça que moi j'ai souscrit à cette démarche, en disant faisons en même temps la promotion d'une bière locale que nous avons créée il y a un an. Et donc pour en faire la publicité à l'occasion de la fête du personnel, ben, il y a un petit scénario qui s'est monté. On est venu me le soumettre en demandant si j'acceptais de jouer le rôle de James Bond. Pourquoi pas, c'est rigolo, avec d'autres membres du personnel. Et puis voilà. La finalité, donc,
je vois que vous faites aussi la promotion d'une bière locale. Ça. Oui, parce que, je le disais tout à l'heure, dans le passé de la commune, il y a eu une grande brasserie qui a disparu au début des années 20, je pense, ou 40. Et on s'est dit, on aimerait bien retrouver une bière locale, finalement. Et comme on est voisin de la brasserie de la Seine et qu'on a sympathisé avec les responsables, très dynamiques d'ailleurs, de la brasserie de la Seine, on est allé les trouver en leur demandant s'ils pouvaient nous faire une bière sur mesure, qu'on a baptisé la 1081, qui correspond au code postal de la commune de Kuckelberg. Et donc on s'est dit, ben, faisons un peu la promotion de cette bière avant de la commercialiser peut-être, puisqu'elle paraît plaire à toutes celles et ceux qui ont pu la tester jusqu'à présent. Et disons, on l'a fait au travers d'un petit film avec le thème de James Bond. Et je me suis prêté à ce jeu-là. Mais moi, personnellement, ce qui me séduisait, ce n'était pas la promotion de la bière, c'était surtout l'aspect esprit d'entreprise. C'est avoir un projet commun, festif, parce que le fonctionnaire a peut-être trop souvent une image austère de sérieux. Il montre là qu'il est capable de dérision. Le politique doit aussi pouvoir montrer qu'il est capable de dérision. Alors James Bond, l'espion de sa majesté dans ses films, il a plusieurs armes très, très variées pour se défendre ou pour attaquer ou pour en tout cas accomplir ses missions. Vous, le bourgmestre, le député régional, l'homme politique, quelles sont vos armes au quotidien pour votre mission? Elles sont les mêmes que celles de l'avocat que je suis aussi, c'est la parole. C'est la parole, qu'on soit politique ou qu'on soit juriste, c'est dans la parole. Et je crois que dans une démocratie, il est sain de n'utiliser que la parole comme arme de persuasion. C'était le mot de la fin. Je vous remercie, monsieur Pivin, Philippe Pivin, député régional bruxellois MR et bourgmestre de la commune de Kuckelberg. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous donne un autre rendez-vous dans un autre Tijini Talk. Il a d'ailleurs quelqu'un à couler la com. Il a les cas.